si le printemps, la douceur du temps, nous fait des avances. Partez, mes enfants, vous avez 20 ans. Partez en vacances. Bonjour. Oui, c'est Anne. Il est mon mari. Quoi? Comment? Merci. Je vais parler avec sa famille. Marie-Ange, qu'est-ce qui est arrivé? C'est Léopold. Il est mort hier soir dans la guerre. Un bombe a frappé son camp. Ils disent qu'il est mort dans l'instant. Oh mon Dieu! Marie-Ange, êtes-vous correcte? Je suppose que oui. Mais pourquoi vous n'êtes pas plus triste? Non, je suis triste. C'est juste, j'ai pas vu depuis un an. Je m'excuse, Germaine. J'ai pas allé coucher. Venez avec moi, Maria. Ça fait des mois depuis que tu as sorti de cet appartement. On pourrait aller danser. Non, merci. Ça ne me plaît pas. Pourquoi? Tu n'as pas d'homme qui te le tient. Ni Léopold, ni Ticoc. Et moi, je sors avec un vieillard. Je m'en vais, Olivier. Elle a besoin de l'aide. Sa dépression devient majeure. J'essaie de lui donner des conseils, mais elle n'aime pas écouter. Alors, qui pourrait l'aider? Je ne peux pas demander à sa famille. Depuis la mort de Léopold, elle a arrêté de leur parler. Dieu, donne-moi un signe. Quelque chose qui pourra la réveiller de cette dépression. Bing! C'est ça, l'église. Le padre pourrait aider à Marie-Ange. Mais non, il est trop impliqué dans la famille des élèves. Alors qui? Quelqu'un avec du pouvoir, mais encore fiable. Voilà, la madre. La madre pourrait aider à Marie-Ange. Elle a beaucoup d'expérience avec les filles en trouble. Je vais la voir tout de suite. Et bon Dieu, aide mes filles à faire une bonne décision, à guider leur vie, spécialement Joséphine qui a commis l'adultère, et Angélique qui est enceinte avant de se marier. Et Proby, qui est là. Un alcoolique à 16 ans. Elle est une désordre. Amen. Germaine, je n'étais pas vue là. Bonjour, madre. J'ai un problème. Qu'est-ce qui se passe? C'est au sujet de Marie-Ange. Oh oui, ça fait longtemps que je n'ai pas vu à l'église. Oui, je sais. Ça fait des mois qu'elle a quitté l'appartement. Elle n'est plus elle-même. Est-ce que c'est à cause de Léopold? Le bon Dieu m'a dit. Oui, depuis que Léopold est décédé, Marie-Ange a abandonné sa vie. Elle a arrêté de manger, dormir et même travailler. Après un bout de temps, ils l'ont laissé aller. C'est triste à voir. Oh oui, c'est très triste tout ça. Madre, j'ai vraiment besoin de votre aide. J'ai beaucoup d'autres filles, Germaine, avec des plus sérieux problèmes que juste être triste. Elle n'est pas juste triste. Il n'y a plus de vie en elle. Je vais souper ce soir, à 5h30. Je vais voir ce que je peux faire. Merci, Madre. C'est tout ce que je demande. À plus tard. Dieu, aidez-moi. Alléluia! Répondez à la porte. Marie-Ange? Bonjour, entrez, madre. Marie-Ange est endormie sur le divan.
Elle ne semble pas en danger. Attendez, je vais la réveiller. Marie-Ange, réveille-toi, nous allons souper. Non, je n'ai pas faim. Mais la madre est ici pour nous accompagner. Pourquoi est-ce que la madre est ici? Je me demande la même chose. Pour t'aider. M'aider? Avec quoi? Je suis bien. Germaine est venue me voir pour me dire que tu faisais une grande dépression. Mais de ce que je vois, tu es seulement fatiguée. Je suis seulement fatiguée? Fatiguée! Non, je suis fâchée! Je suis fâchée contre le bon Dieu pour avoir tué mon mari, pour me convaincre de sentir que c'est mieux pour ma vie, mieux pour ma réputation. Je n'ai pas besoin d'aide. J'ai besoin d'un miracle pour me trouver du bonheur. Vous pouvez retourner à Ticoque si ce n'est pas trop tard. Non, c'est trop tard. Il a déjà une nouvelle fille. Il a maintenant une famille. Comme j'avais dit, je suis fâchée et fatiguée. Je vais me coucher. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais, elle me fait penser à moi-même quand j'avais son âge. Il m'appelait Madeleine Meyer. Quand j'avais 17 ans, j'ai trouvé mon amour. C'était pas la même sorte d'amour que Marie-Ange, mais c'était aussi passionné. Je pensais pas que je voulais laisser tout pour lui, mais j'ai réalisé que c'était la bonne décision. C'était qui l'homme? Le bon Dieu, bien sûr. Je pense que Marie-Ange devrait suivre la même voie que moi. Mais êtes-vous sûr que c'est la meilleure voie pour elle? J'ai du bon jugement, non? Certainement! Alors, Marie-Ange vient venir vivre avec moi. Mais quoi? Je pense pas que ça va aider avec cette dépression. Alors quoi? Tu veux que je fasse l'hôpital? Que je parle à sa famille? Ça va l'embarrasser et la frustrer plus. Vous avez raison. Elle a besoin des conseils ou de la thérapie. Je suis une sœur. Je donne des conseils aux femmes. Mon conseil pour Marie-Ange est de vivre avec moi et de prendre Dieu comme son idole. Est-ce que je pourrais aller lui dire? Certainement. Ne me quitte pas. Il faut oublier. Tout peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Oublier ces heures qui tuent parfois à coups. Pourquoi le cœur. Chère Germaine, je suis désolée, mais je ne peux pas continuer. J'ai perdu tout ce qui me rendait joyeuse dans la vie. Je vous remercie pour avoir essayé de m'aider, mais rien ne pouvait sortir la douleur de mon cœur. Je sais que j'ai fait une décision égoïste, mais c'est la seule chose qui peut faire disparaître toute cette douleur. Vous êtes toujours dans mon cœur, Germaine. J'espère que vous trouverez tout ce que vous voulez dans la vie. Adieu, Marie-Ange. Pour ouvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras, je te parlerai de ces